Quest'oggi siamo in Normandia, nel nord della Francia, esattamente a Dieppe, dove la nostra filiale francese interverrà per consolidare un pavimento industriale esattamente nel sito della società Alpine, specializzata nella costruzione di veicoli sportivi. Interverremo in un sito di circa 76.000 metri quadri, con circa 300 dipendenti in attività. Il contesto di intervento, unitamente ai tempi di realizzazione molto ristretti, hanno fatto sì che il procedimento See & Shoot sia stato preso in considerazione. Donc Alpine, c'est avant tout une marque. Renault a racheté Alpine au début des années 80, a maintenu l'activité en y injectant son activité Renault Sport, et Renault a décidé de relancer la marque Premium en faisant revivre la marque Alpine. Donc on a dû réaménager complètement nos stocks, restructurer notre magasin, le renforcer parce que la durée de vie de cette usine va aller très très loin finalement maintenant qu'on relance la marque, et donc renforcer nos dalles, améliorer notre chauffage, et tout ça dans un délai de 4 semaines, et on a dû mettre en place des solutions techniques très rapides et parfois innovantes. Et quand on a commencé à faire les études pour implanter nos stocks, pour implanter nos outils de logique, hein, pour faire tout ce travail, eh bien, un certain nombre de défauts ont été constatés. D'abord, on a entendu des drôles de sons, hein, ça, il y avait des endroits qui sonnaient creux. Ensuite, on a constaté des fissures, et on a constaté que ces fissures avaient évolué dans le temps. Donc ça nous a posé des problèmes, et on a donc fait appel à un certain nombre d'experts, d'experts de la géotechnique, pour essayer de comprendre. Et finalement, la solution proposée par Geosec s'avérait être celle qui nous permettait de résoudre de façon le plus efficace le problème et surtout la plus rapide, compatible avec nos contraintes de planning. Donc l'étude du sol donc, nous a fait ressortir, notamment sur la première couche, la présence donc, de beaucoup d'hétérogénéité qui vont donc être là l'origine donc, de l'affaissement de cette dalle. Sur chantier, il a fallu confirmer ces données par la tomographie électrique et l'étude des pénétrométries. Donc, une fois que nous avons fait donc, cette tomographie et les pénétrons, nous avons eu confirmation de cette hétérogénéité de la première couche. Nous allons avoir donc la présence de différents types d'anomalies. Donc, les anomalies donc, résistives rouges qui sont donc la présence de porosité. Et en dessous, nous allons avoir une couche beaucoup plus homogène qui est constituée donc à majorité argileuse, où nous allons avoir donc une concentration d'eau. L'objectif va être de pouvoir mettre homogénéiser à la fois la couche donc superficielle, histoire donc de remplir ces couches poreuses que nous allons avoir donc par-ci par-là, et sur la couche sous-jacente, la consolider en déplaçant l'eau interstitielle de façon à ce que cette couche hétérogène que nous aurons homogénéisée puisse avoir un substratum beaucoup plus compact, histoire de soutenir donc la dalle qui est au-dessus. Et finalement, la solution retenue de tomographie électrique avec la technique et avec l'accompagnement de Geosec, c'est un ensemble qui, moi, me satisfait. D'abord parce que ça m'a permis d'avoir assez tôt une image de ce qu'il y avait sous le sol. C'était très intéressant de finalement de mesurer l'étendue des dégâts, de le visualiser. D'autre part, grâce au système qui permet de suivre en direct l'évolution de la dalle en cours d'injection, moi, j'étais rassuré sur le fait qu'on allait plus rencontrer de nouvelles surprises, que les choses étaient maîtrisées, que les choses étaient précises. Et surtout, ça m'a permis de décider ce qu'on pouvait implanter en même temps que les travaux et ce qu'on ne pouvait pas faire. Et donc de m'organiser par ailleurs. Nous allons pouvoir procéder à l'injection et donc au traitement ciblé des anomalies par rapport à la profondeur à laquelle on l'a trouvée, ainsi que son étendue. Donc je suis en mesure, en fonction que le chantier se déroule, de faire des mesures répétitives, histoire de voir comment est-ce que le sol se comporte, comment ces anomalies sont en train d'être résorbées au fur et à mesure. Et c'est ce qui doit donc aller jusqu'à la validation, bien entendu, donc, du chantier. Le contact que j'ai eu avec l'équipe Geosec, d'abord ça a été un atout majeur parce qu'ils ont répondu très rapidement à notre offre. Ils sont venus aussi nous rassurer sur le fait qu'il y avait toujours des solutions à des problèmes. Même si nous on les connaissait pas, c'était leur métier. Et puis il se trouve que je suis tombé sur une équipe
assez jeunes qui ont accepté de relever le challenge de la coactivité. Et tout l'intérêt à la fois de la solution technique qu'ils nous ont proposée et aussi de la façon dont ils nous ont proposé de la mettre en œuvre, c'est que justement on arrivait à tout entremêler, à tout mixer de façon à ce qu'on puisse converger assez vite sur les jalons qui nous intéressaient, c'est-à-dire une fin des travaux compatible avec notre démarrage.